Combien de fois avez-vous déjà pensé à exfolier votre cuir chevelu? Salut mes amours, comment vous allez? J'espère que tout va bien. Aujourd'hui, on va préparer un gommage du cuir chevelu. Pour commencer, j'aurai besoin du gel de gombo. Vous savez, j'adore le gombo parce que le gel de gombo est très bien pour notre cuir chevelu. Il prévient des irritations, des démangeaisons. Il aide à la pellicule. Eh bien, c'est pour cela que j'adore utiliser le gel de gombo dans mes produits capillaires. Le gel de gombo aide à la démangeaison du cuir chevelu. Il est antibactérien. Ok, mes amours, si vous avez des gombos, n'hésitez surtout pas à les utiliser dans votre produit capillaire. Et puis, je vais utiliser de l'aloe vera. Vous savez tous que l'aloe vera est très important pour notre cuir chevelu. L'aloe vera rend les cheveux extrêmement doux. Il permet de calmer et soulager les démangeaisons du cuir chevelu et il aide à réparer la peau du cuir chevelu. C'est pour cela que j'adore utiliser l'aloe vera dans mes produits capillaires quand je peux. L'aloe vera aussi aide à la démangeaison du cuir chevelu irrité, la dermite séborréique. Eh bien, l'aloe vera est très bien pour vous aider à en prendre soin de votre cuir chevelu. Et puis voilà, vous voyez, mon aloe vera était très jeune, mais on en fait avec. Voilà le gel que je vais utiliser, vous savez, pour prendre soin de mes cheveux. Et puis, je vais utiliser le persil aussi. Le persil qui est très important pour prendre soin de nos cheveux en général, pour prendre soin de notre cuir chevelu. Le persil rend les cheveux plus forts, plus brillants. Le persil stimule la pousse des cheveux, tonifie le cuir chevelu et préserve la couleur naturelle des cheveux. Et puis là, je vais utiliser le cactus. Le cactus, vous savez, si vous êtes sur ma chaîne un peu longtemps, vous savez que j'adore utiliser le cactus dans mes soins capillaires. Le cactus a des propriétés hydratantes et émolliantes sur le cuir chevelu. Il permet d'assouplir sans alourdir les cheveux et le cactus convient à tout type de cheveux. Voilà, si vous avez des cactus près de chez vous, n'hésitez surtout pas quand vous pouvez d'utiliser cette plante naturelle dans vos cheveux. Voilà, une fois que j'ai fini avec tous mes ingrédients, voilà, je vais le verser dans un mixeur pour mixer le tout. Voilà le gombo que j'ai déjà fait bouillir. Vous savez, c'est un peu cuir, mais ce gombo-là n'était pas trop jeune. Il n'avait pas vraiment le congèle très gluant. Mais bon, on va en faire avec quand même. OK? Voilà, on ajoute le tout dans un mixeur et puis je vais mixer le tout pour obtenir le gel que j'aurais besoin pour utiliser pour mixer dans mon gommage. Une fois mixé, j'utilise un tissu vraiment très propre pour extraire le jus. Vous voyez, un jus très vert, très coloré. Moi, j'adore ça. Ce jus-là est rempli de bonnes choses. Mais malheureusement, j'aurais pas le gel que
j'espérais, mais c'est pas grave, je vais quand même utiliser, pardonne-moi pour ma voix, je vais quand même utiliser le jus. Vous voyez là, j'utilise le sucre. Moi, j'adore le sucre pour faire mes soins. Et puis, je vais utiliser l'huile de neem. L'huile de neem est très, très importante pour le cuir chevelu. L'huile de neem aide à la pousse des cheveux. L'huile de neem est antimicrobienne et antifongique. L'huile de neem est vraiment très important, il aide à prévenir l'apparition des pellicules. Et puis, je vais utiliser l'huile d'olive aussi, qui aide à la brillance des cheveux. Et l'huile d'olive aide aussi à la perte des cheveux. Et puis, je vais utiliser le miel pour son côté hydratant. Le miel est antifongique. Le miel aide vraiment à purifier le cuir chevelu. Et là, je mélange le tout, vous voyez. Je mélange et fais en sorte de bien mélanger l'huile pour que tout soit vraiment bien bien mélangé avant d'ajouter quelques cuillères de du jus de tous les ingrédients que j'ai déjà mixé. Vous voyez là, le gel n'est pas très gluant vu que le cactus ne contient pas beaucoup de gel. Le persil contient beaucoup plus d'eau, et bien ça me donne plutôt un jus. Mais c'est pas grave, je vais l'utiliser quand même, mais je vais utiliser le jus, vous voyez, pour préparer mon dernier eau de rinçage. Voilà, là, j'adore le gommage, vous voyez la texture, c'est tout ce que j'aime. J'aime pas quand c'est trop dur, j'aime quand c'est bien homogène. Il est beaucoup plus facile à utiliser. Voici mes cheveux, vous voyez. Je fais en sorte d'utiliser le gommage environ une fois par mois sur mon cuir chevelu pour vraiment nettoyer mon cuir chevelu. Avant d'utiliser le gommage, humidifiez vos cheveux. Vous voyez, j'utilise l'eau, toutes les plantes pour humidifier mes cheveux. Ça va vraiment apporter de la douceur, ça va hydrater, apporter de la brillance à mes cheveux. Pourquoi, mes amours, il est important d'exfolier votre cuir chevelu pour avoir des cheveux qui poussent en santé et pour la santé du cuir chevelu. Si vous avez des problèmes comme les pellicules, vous avez des problèmes des accumulations des produits des cheveux ternes, eh bien, un gommage capillaire va vraiment vous aider à débarrasser votre cuir chevelu de tous les produits, des résidus de produits. Ça va vraiment vous aider à avoir un cuir chevelu beaucoup plus sain et des cheveux qui vont pousser beaucoup mieux. Ok, parfois les cheveux sont ternes, tout simplement parce que nous avons besoin d'exfolier notre cuir chevelu pour débarrasser le cuir chevelu de tous les résidus de produits. Quels sont les bénéfices du gommage pour votre cuir chevelu? Les bienfaits d'un cuir chevelu exfolié aide à la bonne croissance des cheveux. Il augmente la meilleure circulation sanguine dans le cuir chevelu et il aide à enlever la peau morte. Vous savez, notre peau, notre cuir chevelu, c'est la continuité de notre peau du visage. Eh bien, de la même façon, vous exfoliez votre visage, eh bien, il est très important d'exfolier votre cuir chevelu aussi
pour vous aider à avoir un cuir chevelu beaucoup plus sain et des cheveux qui poussent vraiment beaucoup mieux. Vous pouvez utiliser le sucre pour exfolier votre cuir chevelu, mais pas seulement. Vous pouvez utiliser le marc de café, le bicarbonate de soude aussi. Ça va vous aider à exfolier votre cuir chevelu, mélangez-les avec de l'huile. Et puis voilà, vous avez un exfoliant ou vous pouvez acheter un exfoliant, un gommage déjà prêt dans les magasins pro cheveux. Mes amours, n'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de partager mes vidéos pour m'aider à booster la chaîne. N'hésitez surtout pas à commenter sous la vidéo. Dis-moi si vous avez déjà expérimenté le gommage du cuir chevelu, comment ça vous a aidé et si vous aimez ou pas. Et en même temps, je profite pour faire un bain d'huile sur les longueurs de mes cheveux. Vous voyez là, j'utilise l'huile de Nîmes, l'huile d'olive aussi pour imbiber la longueur de mes cheveux. Voyez, parce que là c'était le jour de mon soin profond, et bien voilà, je fais le gommage du cuir chevelu et en même temps je profite pour faire un bain d'huile pour vraiment nourrir la longueur de mes cheveux et nourrir mes pointes. Voilà, massez votre cuir chevelu doucement pour vraiment vous aider à enlever toutes les peaux mortes et pour vous aider aussi à la circulation du sang. Voilà, mes amours. Et merci à tous mes abonnés. Merci à vous, mes amours. Merci à tous mes anciens abonnés. Merci à tous mes nouveaux abonnés. Merci à vous, mes amours. Merci pour tout ce que vous faites sur la chaîne. La seule chose, j'aimerais bien voir vos commentaires. Vous savez, quand vous likez, vous partagez, c'est bien. Mais commentez aussi sous la vidéo, c'est bien. Dis-moi quels sont les soins vous aimeriez voir sur ma chaîne. Eh bien, ça va vraiment m'aider à interagir avec vous. Et voilà, et après avoir dormi avec le soin, là c'est le lendemain matin, je m'apprête à aller rincer tout ça. Voilà, comme vous pouvez voir, mes cheveux sont bien nourris, mes cheveux sont bien hydratés. Franchement, là, je suis prête pour passer une bonne semaine avec mes cheveux. Et voici le shampoing que je vais utiliser, c'est Alafia Everyday. Ce shampoing est vraiment très bien pour prendre soin de nos cheveux. Il est sans sulfate, sans synthétique, il est vegan, nos parabènes, il est à base de beurre de karité. Franchement, c'est très bien. Top shampoing pour vraiment prendre soin de nos cheveux. Parce que ce shampoing-là ne va pas assécher nos tiges capillaires. Vous voyez là, je rince le gommage avant tout. Ce gommage-là est très facile à rincer parce que c'est du sucre. Vous savez, quand le sucre entre en contact avec l'eau naturellement, eh bien, il n'en reste plus que l'eau sucrée. Voilà. Puis le shampoing, vous voyez, la texture, c'est très crémeux, c'est une texture un peu bizarre, on dirait du savon noir, mais quand même, il mousse assez bien. Vous voyez, la mousse est très généreuse
Et puis voilà, je frotte bien mon cuir chevelu pour enlever les résidus d'huile sur mon cuir chevelu et puis je vais rincer. Et il rince très très bien aussi ce shampoing. La seule chose, si vos cheveux sont vraiment très sales, peut-être que vous en aurez besoin de faire deux shampoings parce que ce shampoing n'enlève pas tous les résidus. Voilà le masque que je vais utiliser. C'est African Pride. Ce masque, j'adore parce que c'est mentholé. J'ai vraiment adoré. Après avoir appliqué le masque hors caméra, je mets un bonnet en plastique, un sac en plastique sur ma tête. Et puis, je vais rester sous un bonnet chauffant environ 30 minutes. Ça va m'aider à vraiment ouvrir les cuticules de mes cheveux. Ça va vraiment aider à bien faire pénétrer les soins. Et puis là, j'ai rincé mes cheveux, j'ai fait mon dernier eau de rinçage à base de l'eau des plantes. Et puis voilà, là, c'est mes cheveux. Mes cheveux sont très, très doux, très brillants. Franchement, j'adorais ce soin. Exfolier votre cuir chevelu est l'un des soins très important pour prendre soin de votre cuir chevelu. Faire un gommage de temps en temps, une fois par mois, est vraiment très très important si vous voulez avoir une bonne pousse de cheveux, si vous voulez avoir des cheveux qui poussent en santé et des cheveux brillants.